Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Et bien sûr, bonne vidéo. Comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, le code créateur FintexB dans la boutique Fortnite, #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si t'as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était Fintex, je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fintex. J'espère que vous allez bien. Bien écouté, pour un part vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, le plus important c'est de tous rentrer le code créateur FintexB dans la boutique Fortnite #AD. Cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui on va simplement tester une toute nouvelle map pour obtenir des V-Bucks gratuitement. Comme d'habitude, on va directement rentrer le code de l'île. Alors là, on va directement rentrer le code de l'île. Le code de l'île s'affiche dans la vidéo pour les personnes qui veulent tenter aussi d'obtenir des V-Bucks gratuitement. La map elle s'appelle 1v1. Et là, simplement, on va directement lancer la map en public. Voilà, pas de problème de lancer en public. Et là, on va directement lancer le jeu. Ok, du coup là on se trouve sur la map. Comme on peut voir, on doit patienter 1000 secondes avant de déverrouiller les deux casques ici pour obtenir un skin de Renegade Rider et ici pour réclamer les V-Bucks. Et comme vous pouvez le voir juste en haut, normalement j'ai des V-Bucks qui sont en train de rentrer dans mon compte Fortnite actuellement. Là j'ai déjà gagné plus de 10 V-Bucks. Et juste en haut j'ai une deuxième quête pour obtenir plus de 1000 V-Bucks. Normalement je pense que je dois dévourer avec le distributeur. Et nous ce qu'on va faire, on va patienter tout le temps qui est affiché ici pour accéder au distributeur. Une fois les 10 minutes écoulées, là on va directement tester la machine à V-Bucks pour voir si ça fonctionne réellement. Le processus pour obtenir les V-Bucks, claim V-Bucks, ça prend énormément de temps. Ce que je vais faire, je vais mettre un accéléré. Ok, comme vous pouvez voir, le décompte il est bientôt fini. Et là, normalement, j'ai presque récupéré tous les V-Bucks. Alors normalement là j'ai récupéré plus de 1000 V-Bucks gratuitement sur mon compte. Et ce qu'on va faire, on va aussi tester pour avoir la Renegade Raider. Ça prend aussi énormément de temps, mais comme vous pouvez voir, j'ai déjà remporté plus de 1000 V-Bucks. Que j'ai à faire pour encore obtenir plus de 2500 V-Bucks, c'est encore à rester appuyé sur le bouton. Et nous, ce qu'on va faire, on va partir voir là-bas ce qu'il y a, s'il y a encore des autres machines à V-Bucks plus rapides dans le coffre-fort. Alors ici, il nous demande de rentrer des pièces pour accéder au coffre-fort. Malheureusement, il faut plus de 5900. Malheureusement, on les a pas encore. Et comme vous pouvez le voir, tout simplement maintenant, on va voir si ça a marché. On va directement se rendre au lobby de Fortnite pour voir si j'ai obtenu mes 1000 V-Bucks ou pas. Et comme vous pouvez voir, j'ai obtenu vraiment 0 V-Bucks. Voilà, du coup, j'ai obtenu vraiment 0 V-Bucks. Malheureusement, la map que je viens de vous présenter, elle fonctionne pas pour obtenir des V-Bucks gratuitement. Ça sert à rien de rester énormément de temps sur la map. J'ai testé ça pour vous, comme d'habitude. C'était Fintex. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu, bien sûr, de tous entrer le code créateur FintexB dans la boutique Fortnite. Cela me fera vraiment super plaisir. #AD. Allez, ciao tout le monde.